C'est dommage que ce soit si tôt. Là, on avait le droit à un beau petit lit, c'était pas mal. On peut voir nos affaires qui sèchent. C'est sec ou pas? Non. Et c'est sec. Déjeuner est un temps privilégié pour apprendre à mieux connaître ceux qui nous ont accueillis. C'est aussi l'occasion de conversations plus sérieuses sur des sujets de fond. You are welcome to my father's house. Okay, first of all, I would like to clear some misconceptions about Muslims, especially by the Western people towards the Muslim. Actually, Muslims are not like what the Western thing, because we are so many types of Muslims in this world. We don't promote any terrorist activity. We are very friendly towards people. We respect each other's right. We welcome other people to when we would like to share, you can eat whatever I eat. Yeah. But we don't serve pork and we don't serve beer. L'atmosphère se détend souvent assez vite. Donc coucou, c'est Andy, c'est Andy bicyclette. On est bientôt à la frontière Thaï, donc on a bientôt fini avec la Malaisie. Et là, comme vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo, le paysage est assez sympa. On est sur un petit chemin de terre, il fait beau. La main droite, là, de ce côté-là, comme vous pouvez le voir, il y a des rizières avec des petits cocotiers. Et à notre gauche, juste là, derrière la végétation, il y a la mer. Alors, on n'a pas été se baigner encore. Je pense que ça ne saurait tarder. Là, tes impressions? C'est impressionnant, ça arrive d'un coup. Il faut être réactif pour trouver l'endroit où s'arrêter. Mais après la pluie, vient toujours le beau temps. Thank you.
à cause de revendications identitaires au nord de la Malaisie et au sud de la Thaïlande, certains postes de frontière sont à éviter. Sur les conseils avisés de plusieurs amis malais, nous décidons de rejoindre la Thaïlande en passant par l'île de Langkawi. Située tout au nord-ouest de la péninsule malaise, Langkawi vit principalement du tourisme et de la pêche. Alors Caroline, après 15 jours de voyage, on est à Langkawi, c'est la dernière étape de Malaisie. Quelles sont tes impressions ? On a bien pédalé, on a bien avancé, on a fait de belles rencontres. J'adore mon paysage, il est absolument magnifique. Et puis voilà, c'est chouette. Alors ben moi aussi j'ai un magnifique bronzage, hein, mais t'es bien plus beau que celui de Caroline parce que très dégradé, tout en douceur et en délicatesse. Et puis, j'étais prévenu, on me l'avait dit, on en avait parlé, je le savais. Mais quand même, le vélo, ça fait mal aux fesses. Alors bon, là, au bout de 2 semaines, ça commence à aller un peu mieux. Mais la semaine passée a été un peu dure d'un point de vue, postériorique. Mais là, ça commence à aller mieux. Cette route-là, elle a l'air de rien, hein, comme ça. Mais regardez. Alors ce qui est super, c'est que dès qu'on pédale un peu fort et qu'on a envie de se rafraîchir, et ben on peut aller se rafraîchir sans problème juste là. Il fait chaud là, non ? Ouais, il fait chaud là.